trouver des solutions pour repenser nos vies de demain, pour rendre nos vies plus sûres, plus saines, plus agréables à vivre. Mais je veux que vous sachiez que vous ne le faites pas seulement pour vous, mais vous le faites aussi pour nous, les enfants que nous sommes aujourd'hui et qui deviendront des adultes de demain. C'est un maillage territorial qui est en amont une réflexion qui part de la nécessité d'avoir une démarche d'aménagement du territoire basée sur les villes. En tant que professionnel, moi je prends du plaisir à participer à tout ça. Et c'est quand on a fini de faire ça, quand on a fini le travail également sur les réformes, la réglementation, le code de l'urbanisme, le code de la construction, les règlements d'urbanisme dans nos villes, que oui, on peut ouvrir un champ pour permettre aux individus, aux privés, de participer à la production de la ville. Mettre en place des centres d'innovation, des centres de recherche pour que les entrepreneurs puissent s'appuyer justement sur les entreprises. C'est un bon sujet ça, effectivement, justement, de comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir collecter des données auprès de cette population-là. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, ça veut juste dire que les pratiques, elles changent et qu'on doit les intégrer. C'est ce qui nous importe avec cet African Cities Lab, c'est d'avoir une plateforme qui peut commencer à imaginer de nouvelles manières de faire des cours, d'apprendre, de nouvelles manières de mutualiser véritablement tout ce qui est de l'enseignement. Je suis heureuse de voir que nous avons travaillé ensemble pour trouver des solutions innovantes pour améliorer nos villes. J'ai été particulièrement inspirée par les idées des jeunes entrepreneurs et étudiants qui apportaient un regard neuf et novateur sur ces questions. Mais nos efforts ne doivent pas s'arrêter ici. Nous devons continuer de travailler ensemble pour mettre en place les solutions dont nous avons discuté. Nous devons continuer d'exploiter les données et la technologie pour améliorer nos villes et nos qualités de vie. Nous devons nous rappeler que nous travaillons pour les générations futures, pour les enfants comme moi qui grandiront dans les villes de demain.